Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors ça y est, c'est parti pour les soldes d'été 2018. Donc avant de commencer, je vous montre tout de suite, il y a un DLC gratuit sur Battlefield 1, Turning Tide, c'est temporaire, donc n'hésitez pas à le télécharger rapidement. Alors pour commencer, on a un PC assemblé de marque Asus. Alors 1100 euros, on va dire, avec la GTX 1070, le Windows 10, 16Go de RAM, un Ryzen 7 1700, un SSD, un disque dur d'un Tera, donc vraiment c'est une bonne offre. Alors j'espère que quand je vais publier la vidéo, il restera des exemplaires, mais voilà, ça part très très vite. Comme tous les produits, ça part très très vite et ils seront dans la description pour ceux qui veulent. Une alimentation de 550 watts ici de marque Forton, moins de 60 euros, ça vaut le coup ici chez matériel.net, donc ça va être un petit peu dans le désordre cette vidéo, mais vous allez voir, il y a plein de bons plans, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc ici, la Seasonic M12-2 qu'on retrouve régulièrement, une excellente alimentation, pareil. Il y a moins de 60 euros, d'ailleurs je préfère même celle-ci. Ensuite nous avons le boîtier Corsair Carbide Spec 01 à 33 euros chez Amazon, donc franchement c'est pas mal du tout, c'est un boîtier qui fait le taf, c'est pas conception moderne mais c'est vraiment un très bon boîtier. La carte mère Asus Prime en chipset B250, donc c'est vraiment très bien, par exemple pour un Pentium G4560, on est pour moins de 60 euros, c'est vraiment pas mal. Et également une version avec Wi-Fi à 69 euros, on est vraiment bien ici, c'est les versions compactes hein, ici, mais voilà, ce sont des très bonnes cartes mères qui feront le taf en avec un petit Pentium, ça passe vraiment très très bien. Au niveau SSD, nous avons le Crucial MX300 qui sont en train de se brader parce que les MX500 maintenant c'est les nouveaux. 275 Go pour 57 euros ici. Et nous avons également la version 525 Go pour 99 euros. Également, nous avons la Riser Desator 2013, donc elle n'est pas exceptionnelle, hein, elle est un petit peu dépassée on va dire aujourd'hui, mais pour 30 euros, c'est une excellente souris avec une très bonne ergonomie, c'est ça qui est vraiment très très bien. Au niveau des écrans, nous avons un ViewSonic en 240 Hz pour 249 euros ici, en solde chez Boulanger, donc franchement pas mal, 25 pouces, voilà, 240 Hz, c'est énorme, c'est très réactif, donc voilà, 249 euros, c'est vraiment très raisonnable. Également un moniteur Iiyama 28 pouces 4K, donc c'est 60 Hz, 1 milliseconde, 310 euros chez Cdiscount, c'est vraiment un bon prix. Pour ceux qui cherchent une grosse résolution, c'est sûr de jouer en 4K, ça demande vraiment une grosse carte graphique, mais on peut peut-être jouer en 1440p, pourquoi pas, donc c'est de la 2K. Au niveau des PC portables gamer, donc 579 euros pour un Lenovo, donc nous avons pas de Windows, c'est pour ça qu'il est pas trop cher, une GTX 1050, donc c'est vraiment très bien, le Core i5, 8Go de RAM, donc voilà, 579 euros, c'est un bon prix, moi je trouve, d'ailleurs c'est très rare de retrouver, on a retrouvé des offres dans ces prix-là, mais actuellement on n'en voit pas beaucoup, donc 579 euros c'est pas mal. Également plus ou moins la même configuration, sauf que c'est un Acer, et ici on a Windows 10, donc le Nitro 5 on l'a vu régulièrement à bon prix. Pour ceux qui ont un plus gros budget, nous avons le Lenovo Legion avec, donc c'est un 15 pouces, le Core i5 c'est exactement le même, 8Go de RAM, un SSD de 128, 1 Tera de stockage, et la GTX 1060 en version 6Go, donc c'est la Max Q, elle fait quand même très très bien le travail, donc 869 euros c'est vraiment un bon prix pour ce PC portable qui a fait largement ses preuves. Pour celui qui cherche un petit smartphone pas trop cher, le Honor 6A à moins de 100 euros ici chez Rue du Commerce, donc c'est vraiment pas mal du tout. Également le très bon LG G6 avec un très bon capteur photo, il est très très bon en vidéo. 5,7 pouces, Quad HD, donc moins de 300 euros, c'est vraiment pas mal. Donc c'est les références plus de 2017, mais c'est vraiment excellent encore de nos jours. Alors le Logitech G105 que j'ai eu, donc à moins de 30 euros, il est vraiment pas mal celui-ci. Il fait largement le taf, hein, c'est un clavier à membrane, rétro éclairé ici en bleu, voilà, moins de 30 euros. Un clavier mécanique à 44,90 euros, donc le chéri, donc le fabricant des MX Red. Il a des MX Red, donc clavier AZERTY. Le look est un peu bureautique, mais voilà, nous avons là quand même les mécaniques Red qui sont vraiment très très bien pour le gaming. Autre clavier sympathique, le Razer Death Stalker, donc moins de 40 euros, rétro éclairé vert, cette fois-ci chez Boulanger. Une carte mère X370 à bon prix. Donc ce qui est bien, c'est que si on achète une carte mère X370 par exemple, on pourra la faire évoluer avec les prochaines générations de Ryzen. Donc ici c'est très bien, on pourra le coupler par exemple à un Ryzen 7 1700 ou 1700X et on arrive à avoir une configuration de base vraiment pas trop chère, plus qu'à rajouter un petit peu de RAM et voilà, on a une bonne plateforme pour débuter. Alors le Hitachi 2 Teraoctets à 7200 tours par minute à 45 euros ici chez Cdiscount, donc je vous l'ai déjà présenté, mais voilà, 45 euros c'est un bon prix pour 2 Tera de stockage, c'est vraiment très très bien. Le Ryzen 3 1300X, donc un très très bon processeur qui est 4 coeurs, 107 euros en solde, la plupart du temps c'est plus dans les 120 euros. Un water cooling 360 mm ici, 87 euros. Le très correct et voire même très bon Antec Mercury 360, rétro éclairé en bleu. Donc je trouve que c'est à mon prix, c'est correct. Hein. C'est vrai que les water cooling en général en 360 mm, c'est minimum 100 euros. Et pour finir, une petite télé 4K, ici moins de 500 euros. Je pense que ça vaut le coup, 55 pouces LG. C'est vrai qu'on en retrouve des télés de moins en moins chères maintenant, avec des caractéristiques de mieux en mieux. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai fait en gros le tour des meilleurs soldes du moment, mais c'est sûr qu'il y en a toujours à arriver de temps en temps. Donc j'essaierai de faire un point
points régulièrement, j'essaierai de faire des points également sur Twitter pour ceux qui veulent, j'essaierai de tweeter un maximum de bons plans que je trouve. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.